Acte chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 34. Alors Pierre, prenant la parole, dit: En vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est ce qu'il a fait entendre aux enfants d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de toutes ces choses qu'il a faites dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Cependant, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Vous savez ce que Jésus a fait. Alors ici, Pierre, l'apôtre de l'agneau, est en train de parler de Jésus-Christ homme. Parce qu'il est homme et Dieu. 100% homme et Dieu. Il est mort à la croix, non en tant que Dieu, car Dieu ne meurt pas. Il est mort en tant qu'homme. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, Pierre est en train de présenter à ses compatriotes Yeshua homme. Pourquoi Jésus-Christ est homme? Regardez, il y a une grande différence entre notre Dieu à nous, nous les chrétiens, et les autres divinités. Les autres divinités, les autres démons ont besoin des corps physiques pour les posséder. Et si on les chasse, ils sortent. Donc les démons, bien sûr, comme là, comme la sœur tout à l'heure. Comme le frère au niveau, avec ses jambes, il y a des choses qui bougent là. Il y a des choses qui sortent. Dieu restaure ses membres. Je vous dis, vous allez voir. Maintenant, notre Dieu à nous n'a pas eu besoin de posséder un corps. Notre Dieu a décidé de devenir comme toi, comme moi. C'est-à-dire 100% homme. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, parce qu'il a vu qu'avec la chute d'Adam et Ève, le premier couple, toute la descendance de ce couple, tous les humains, comme vous le savez, étaient sous l'empire du diable. L'humanité est sous l'empire du diable. Les nations sont sous le contrôle de Lucifer. Et d'ailleurs, beaucoup disent, non, mais Dieu n'existait pas, Satan n'existait pas. Écoutez, laissez-moi vous dire. Le fait même de croire, de dire que Dieu n'existait pas, que Satan n'existait pas, prouve que justement vous êtes bien possédé. Bien sous le contrôle, sous l'empire du malin. Alléluia. Oh Dieu. Ça va? Dieu est bon? Les hommes de cette nation, les hommes de ce monde sont sous l'empire du diable. Et je vous assure, Satan est très bien organisé. Oh oui. Quand on voit la souffrance des gens, la souffrance des foyers, des couples. Comme tout à l'heure, la jeune fille de 17 ans que le Seigneur a délivrée. Pendant qu'on priait pour elle, le Seigneur me disait qu'elle avait un problème avec le Père, avec son Père. Qu'elle n'avait pas reçu l'amour du Père. Et effectivement, j'apprendrai par la suite que son papa a quitté, cet homme a quitté sa femme, ses enfants, pour aller avec une autre dame. Voilà comment sa fille de 17 ans va être sous l'emprise, sous l'empire du diable. Dieu a vu que Adam a vendu toute l'humanité à Satan. Il a cédé, il a ouvert la porte aux démons et Satan s'est engouffré. Regardez des familles, comment les familles sont brisées, des familles sont possédées. Sorcellerie,
vaudou, magie, des gens qui se suicident, des gens qui divorcent, qui se remarient, des gens qui, malgré leur richesse, se suicident. Pourquoi? Ça ne va pas. Il y a l'emprise. Satan a la même mise sur des familles. J'étais aux Antilles, en Guadeloupe, la dernière fois, avec le frère qui était avec nous, mon frère Jérémy, je crois, si je ne me trompe pas. On passait devant une entreprise comme ça, une dame qui travaille dans le bâtiment. Et le frère me disait que cette dame a sacrifié 4 de ses enfants. C'est bien ça, hein? 4 ou 5, combien? 4. Pour que son entreprise prospère. Vous voyez? Ouais. En Guadeloupe. C'est dans quelle ville déjà là? Au Lamantin. D'ailleurs, on va repartir aux Antilles au mois de septembre si le Seigneur permet, parce que ça nous manque. C'est pas charnel, mais c'est... On rentre à la maison pour se reposer. Frère, vous vous rendez compte, cette dame, mère de 4 enfants, les sacrifie à Satan, les tue. Les enfants sont morts pour qu'elle prospère. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit. Vous les voyez comme ça. Ils ont l'air heureux, heureuses, mais ils ne dorment pas la nuit. C'est des cauchemars, c'est des attaques, c'est des femmes de nuit, c'est des maris de nuit, c'est des gens qui sont traumatisés comme cet homme qui est traumatisé. Les démons le traumatisent tout le temps. Il y en a beaucoup. Des femmes qui sont belles, qui se maquillent, qui sont très belles, mais au fond d'elles, il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez vu la dame là, tout ça là, un esprit, un démon qui se baladait dans son ventre. Sa propre mère, croyant l'aider, lui propose de, n'est-ce pas, d'aller voir un monsieur qui allait soi-disant la guérir. Et qu'est-ce que ce monsieur fait? Il lui demande de se déshabiller et il va commencer à embrasser sa poitrine, à sucer sa poitrine. Vous voyez? Son ventre. Mais il y a la poitrine aussi apparemment là, non ma soeur? Hein? Je crois aussi, non? C'est pas la poitrine, c'est le ventre ou c'est la poitrine? Le ventre? Ok. Parce qu'il y en a, ils vont jusqu'à toucher la poitrine des femmes. On en connaît. Mais même si c'est le ventre, pourquoi on va aller embrasser le ventre d'une femme? Hein? Si c'est là le ventre d'une... C'est normal ça? Non. Et qu'est-ce que ce monsieur sort? Une pièce de monnaie et une pièce. Ça sortait de son ventre. Vous vous rendez compte? C'est rentré comment? Et au lieu que ce mal cesse, hein? Non, au contraire, ça s'est empiré. Ça a empiré. Et elle part voir encore un autre marabout. Rien. Pierre dit que Dieu a vu que les hommes étaient sous l'empire du malin. Il y en a, ils sont sous l'empire des hommes qui les contrôlent. Vous allez voir une femme, une belle femme qui tombe éperdument amoureuse d'une personne, d'un homme, et cet homme va la contrôler, va la manipuler, va lever sa main sur elle. La femme va devenir son esclave sexuel. Beaucoup de gens sont sous l'empire de la drogue, des hommes, des femmes, du sexe, de la télévision, de la nourriture. Comment faire pour être libéré de ces choses? Il y a des gens qui viennent et qui prêchent la parole, Jésus est Seigneur, oui, mais on ne voit rien. Je veux vous dire une chose. Dieu ne veut pas que les gens prêchent Jésus sans qu'il y ait miracle. Ça n'existe pas dans la Bible. Je ne veux pas l'approcher des miracles, non. Mais le fait même de croire que Dieu existe alors que tu l'as jamais vu, mais c'est un miracle. La foi est un miracle. Allez dire à un médecin que Dieu vous parle. Vous allez voir, on va vous interner. Pourquoi? Parce que là, on apprend à raisonner. Voilà. Allez dire qu'un esprit vous a parlé. Vous allez voir. C'est un miracle. C'est un monde de miracles. Et Pierre dit que Dieu va oindre Jésus-Christ homme. Pourquoi l'homme?
Dieu est devenu homme et il s'est fait un lui-même. Pourquoi? Pour nous montrer à nous autres humains, là, avec des défauts, là, que nous pouvons recevoir la même onction. Pourquoi? Pour aller maintenant libérer nos semblables qui sont sous l'emprise du diable. C'est pour cela, ce soir, ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth à tous les humains qui sont ici, à tous les descendants d'Adam et Ève qui sont sous l'emprise de Satan, de la cigarette, de la drogue, de la maladie. Je déclare et je confesse, je crois que Jésus n'a pas changé. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ordonne à toutes vos maladies de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus. Il allait de ville en ville. Oh, j'aime Jésus. À 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé d'abord dans un désert. Or, les démons, quand on les chasse, là, ils vont dans les déserts. Jésus est allé les provoquer. Dis à ton voisin, Jésus provoque. Oh. On vous prêche un Jésus cadeau. Il est tout calme comme ça, il est tout peureux, c'est un pleutre. Ça, c'est leur Jésus à eux. Faut laisser. On vous dit c'est le Jésus costard et cravate, tout ça, c'est leur Jésus. Moi, je prêche le Jésus révolutionnaire. C'est-à-dire, lui là, il va dans le camp de l'ennemi lui-même. Oh, alléluia. La Bible nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Et il y avait les ténèbres à la source de l'abîme. Et la parole nous dit quoi? Dieu dit que la lumière apparaisse. La lumière est apparue où? Dans les... ténèbres. Dieu dans les ténèbres. Oh, j'aime ça. C'est Dieu permet les ténèbres là. Et il va aller dedans. Il est venu chercher ses enfants qui étaient dans les ténèbres. Frère, il n'a pas peur des ténèbres. Et je veux dire aux ténèbres ce matin, c'est fini. Le temps de la récréation est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Vous voyez, ça vient, ça sort. Vous voyez, la lumière là est en train de déchirer les ténèbres là. Là, là. Vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, toute l'année là, c'est la démonstration sur démonstration. C'est la démonstration sur démonstration. Démonstration sur démonstration. Amenez-moi toutes ces personnes-là. Voilà. Ça, c'est l'évangile. C'est pas du blablabla. Moi, s'il y a du blablabla, j'arrête. Parce que je ne prêche pas pour aller avec des femmes. Je ne prêche pas pour avoir l'argent. Frère, non. Je prêche parce que j'ai vu. Je prêche parce que je vois. Je prêche parce que j'entends. Un jour, j'étais sur mon canapé, j'entends la voix du Père qui me dit « quoi et tout ?» Je dis « oh !» Il me dit « prêche ma parole !» Je dis « Seigneur, je veux la prêcher, cette parole-là. » Frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu. Je dis aujourd'hui, oh, Paul dit « Il y en a qui ne veulent pas que j'aille chez eux. » Mais j'irai. Je connaîtrai non les paroles. Parce que tout le monde parle. Les Grecs parlaient, ils avaient la sagesse, la philosophie, la rhétorique. Paul dit « Ça, c'est pas, on va pas aller sur ce terrain-là. » Nous, on va aller sur le temps de la démonstration. Élie a dit au prophète de Baal, quoi. Il dit, prenez, vous êtes plus nombreux que moi, là. Prenez, soyez le premier à prendre votre veau, là. Tout ça, là. Sacrifiez-le. Priez Baal. Du matin au soir, là. Oh, Baal, oh, sur Internet, hein, sur YouTube. Oh, ya. Élie rigole. Allez-y. Il s'est moqué. Allez-y. Quand ils ont fini l'enthousiasme, ils s'étaient fait des scarifications partout, ça saignait de partout. Il dit, mais arrêtez. Élie prend les 12 pierres, là, le fondement. Oh, ya. 12, là, le nombre apostolique. Il faut l'onction apostolique, l'onction royale, l'onction de Yeshua, frères et sœurs. Alléluia. Il a restauré. C'est ça le message. C'est la restauration du message véritable. La restauration de la famille. La restauration du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration de la sanctification dans l'église. La restauration de la sainteté, de la crainte de Dieu. La restauration de la sainteté, frère. Oh! Il a restauré tout ça. Quand il a fini,
Il dit au peuple, regardez. Tout le monde était connecté. Il dit, Dieu, j'ai tout fait selon ta parole. Et moi, ce soir, je dis devant tout le monde, devant les anges au ciel, Dieu m'a appelé. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu m'a appelé. Il connaît mon nom. Mon nom est sur le livre de, le livre de vie. Le tien, je ne sais pas. Mais moi, le mien, il y est. Oh, frère. Un enfant de roi sait qu'il est enfant de roi. Je vous dis. Frère. Il a dit, j'ai tout fait selon ta parole. Le peuple était là. Le feu. Le feu tombe du ciel. Frère, le peuple a dit, c'est Yahweh qui est Dieu. Et je vous dis, avec tout ce que Dieu commence à faire aujourd'hui, là, ça va monter. C'est vous-même qui allez témoigner partout. Non, c'est pas ce monsieur-là. C'est pas ce frère, c'est pas cette sœur. Oui? Vous-même, vous allez dire, non, arrêtez. Ce que Jésus a fait, personne ne pouvait le faire. Ce que Jésus fait, non. Il était oint par le Père. Comme toi, femme, Dieu te... Tu sais pourquoi tu souffres là? Il te prépare là. Il va te oindre bientôt là. Ça là. Tu vois, non? Je vous dis. Il y a l'huile là. Quand ça va tomber sur les gens là. Laissez-la. Dieu oint quelqu'un, il lui donne l'audace. Il lui donne l'audace pour parler. Il y en a qui vont dire c'est l'orgueil. Non, c'est l'audace. Il faut des hommes et des femmes audacieux, audacieuses, des hommes et des femmes de foi qui déclarent la parole et qui disent à partir d'aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole. Des Paul modernes. Des Déborah, des femmes de feu, des femmes d'autorité, des femmes d'onction. Jesus. Je vous dis ce soir là, l'enfer est secoué. Je vous dis cette année, Dieu va secouer l'enfer encore. Il va secouer le royaume de Satan. Il va secouer la religion. Il va secouer les églises en France, en Europe. Il va secouer les églises dans les nations. Parce qu'il y a une nouvelle armée qui monte. Il y a une nouvelle race qui monte. Il y a un nouveau peuple que Dieu s'est choisi. Jésus allait de lieu en lieu. Il opérait des signes. Cleanse et où avec des chants que Dieu me donne. Vous êtes distraits ce soir. Ça, c'est des choses à gérer, mes amis. Dieu me dit. Il faisait du bien. Jésus fait du bien. Il dit, l'esprit de Yahweh est sur moi. Car il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Oh, alléluia. Il a prêché un message qu'aucun n'avait prêché. Aucun. Jésus? Non. Vous vous rendez compte?
Jésus-Christ a guéri les malades en tant qu'homme, ayant la puissance du Saint-Esprit. Et il voulait nous montrer par là que nous autres aussi, là, nous allons faire la même chose. Et il a dit d'ailleurs plus que lui. Parce que lui, il n'a eu que 3 ans de service public. Et nous autres, là, on a la grâce d'avoir plusieurs années. Il a dit qu'on fera plus. Et je vous assure, tous les enfants de Dieu aujourd'hui, là, je veux vous dire que l'emprise, l'empire de l'ennemi est brisé en Europe. Je veux vous dire, frères et sœurs, l'empire de l'ennemi dans les nations. Oh, une nouvelle race, un nouveau peuple. Jesus Christ. C'est pour cela que Dieu permet tes combats, tes difficultés, pour que tu sois sanctifié. Il permet tes épreuves. Tu dois te sanctifier encore, car il te redouille. Jesus. Tu vois, non? Oh, mon papa, Dieu guérit tes jambes là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Ça va monter avec le foot là. Ça va être terrible. Oh, Jesus. La vraie église, elle a reçu la mission d'aller faire du bien aux gens, d'aller libérer ceux et celles qui sont sous l'emprise, sous l'empire du diable, c'est-à-dire qui sont sous le contrôle, dans le royaume de Satan. Et toi, Dieu t'a sauvé. Tu sais pourquoi il ne t'a pas enlevé? Tu ne vas pas mourir pour l'instant. Non, non, non. Femme, tu ne vas pas mourir. Amène-la à moi. Acclame le Seigneur. Wow. Oh, Jesus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, mes amis, là. Encore. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est une femme de feu. C'est une femme de Dieu. Tu vois, non? Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas enlevé? Tu sais pourquoi il te fait souffrir comme ça, là? C'est pas parce qu'il est méchant. Il est en train de te nettoyer. Il est en train de briser ton caractère. Il est en train de te préparer pour la moisson. Et je te dis, comme le Fils a été oint, tu seras oint, oint du Saint-Esprit. Et il va t'envoyer au milieu des satanistes. Il va t'envoyer parmi les pécheurs. Et tu vas faire du bien aux malades. Tu vas faire du bien aux possédés. Tu vas faire du bien aux gens qui sont condamnés. Tu vas faire du bien aux gens qui sont sans solution. Tu vas apporter la solution. C'est ça ta mission, Église. C'est ça ta mission, Église. Jesus Christ. Personne ne peut tuer un enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, rassure-toi, femme. Personne ne peut te détruire. Personne, tant que tu craindras Dieu, je veux dire, ils te feront la guerre, mais ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Je veux dire à quelqu'un ici, sois tranquille. Sois en paix. Sois rassuré. Oh Jesus Christ, alléluia. Oh Jesus Christ. Il y a quelque chose ici là. Oh Jesus. Oh Jesus. Acclame Dieu ce soir. Acclame Dieu ce soir. La puissance de Dieu. Jesus. Oh, il y a quelque chose ici là. La gloire de Dieu. Voyez la gloire de Dieu. Voyez la gloire de Dieu ce soir. Dieu nous visite. Dieu est venu nous visiter. Dieu est venu nous visiter. Oh. Il y a un réveil. Un puissant vent de réveil. Un mouvement de Dieu. Un mouvement terrible. Qui va secouer les nations. Qui va secouer les nations. Oh Jesus Christ. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Seigneur, au nom de Yeshua, nous brisons ce cancer. Maintenant, sors au nom de Jésus.
Sors, démon. Allez, sors. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Allez, quitte ce corps. Quitte ce corps maintenant. Cancer, tu sors de ce corps. Tu quittes ces poumons-là. Tu quittes ces poumons. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu quittes ces poumons maintenant. Oh, Jesus. Julien, prie encore pour ces poumons-là. Priez pour ces poumons-là. C'est réglé. C'est réglé. Il y a un mouchoir là-dedans. Là. Je peux la voir, mes amis. Jesus Christ. Jesus. Au nom de Jésus, nous chassons la mort de ce corps. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Ça sort. Ça sort. Amenez-moi. Amenez-moi celle-là. Jesus. Donnez-moi l'huile d'onction là. Jesus. De Dieu. Ce soir, ce matin, Jésus nous démontre qu'il existe au travers de sa présence, au travers de sa parole vivante, au travers de son esprit. Il est en train d'arracher des âmes, des griffes de Satan. Et j'ordonne à tous les démons qui sont ici, je vous donne un ordre maintenant, vous allez sortir. Les esprits de corbeaux, les esprits de serpents, les esprits de Mamiwata, les esprits de sorcellerie, je vous donne maintenant des ordres. Allez, commence à sortir maintenant. Aidez-moi toutes ces femmes, ces hommes. Que le Seigneur est en train de libérer maintenant là. Je vois des chaînes que Dieu brise. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Tu vas vomir ta maladie incurable. Tu vas vomir ta maladie incurable. Tu vas vomir ta maladie. Jesus. 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 Oh Jesus. Amenez-moi ces personnes. Les démons commencent à sortir là. Il y a des démons qui commencent à demander eux-mêmes la permission de sortir. Marie de nuit. J'en peux plus. J'en peux plus. Le démon veut partir. Le démon n'en peut plus. La puissance de Dieu est là. Sortez, sortez, esprit de succube, d'incube, de mari, femme de nuit, je vous donne des ordres maintenant, là. Allez sortez de ce corps là, c'est un ordre précis que je vous donne maintenant, les esprits de sorcellerie, esprit de colère, quelqu'un ici a un esprit de colère qui te saisit de temps à autre, la colère, le Seigneur vient t'arracher de la colère maintenant femme, voici ta délivrance femme, et dès là, là, la colère s'en va d'elle, sors d'elle au nom de Yeshua, amène-la moi. Jesus. Oh. Un esprit ici qui dit que cette femme lui appartient. Tu vois, non? Tu vas lâcher ma soeur. Je veux que tu la lâches. Je veux que tu sortes toi-même. Je veux que tu t'en ailles. Je te donne un ordre. Cette femme n'est plus ta femme. 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 Au nom de Yeshua, c'est un ordre que je te donne. Au nom de Yeshua, de la part du Seigneur, ce corps ne t'appartient plus. Tu ne peux plus manipuler cette personne. C'est fini. Fini. Oh. Il y a un esprit de peur là, un esprit de peur, un esprit de peur, un esprit de peur, un esprit de... La peur te tétanise, te paralyse. La peur.
par rapport à ce que tu as subi dans ta famille depuis ton enfance. La peur. Dieu t'aime. La peur s'en va. Si, la peur s'en va. Cet esprit s'en va au nom de Yeshua. Sors. 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 Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Sors d'elle. Sors d'elle. Amène-la-moi là. Amène-la-moi cet enfant là. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Amène-moi la personne là-bas là aussi. Là. Le démon là-bas s'en va là. L'évangile, c'est ça. Quand on ne vous prêche pas un évangile où il n'y a pas de guérison, de délivrance, là, de conversion, de baptême, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la religion. Ça c'est l'évangile baptiste. Quand Paul prêchait, Dieu guérissait les gens. Quand Pierre prêchait, Dieu guérissait les gens. Il ne prêchait pas les miracles. Il prêchait Jésus et le Seigneur guérissait les gens. C'est ça l'évangile. Jesus. Tu la connais? C'est ta petite sœur. Hein? Oh, ça va aller. Jesus. 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 Dieu te guérit. Dieu te sauve. Dieu enlève tes blessures. Dieu te libère de cette souffrance. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors. Lâche. Au nom de Yeshua. Tu as assez souffert. Tu as assez pleuré. Et le Seigneur est ton Père. Il vient te rendre ta liberté. Le Seigneur t'a attiré ici, jeune fille, parce qu'il voulait te parler. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'aime. Jesus. La puissance de Dieu vient sur vous. Le Seigneur veut changer votre histoire, ton histoire. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Tu es sur un carrefour. Il y a une décision à prendre. Et le Seigneur te dit, demeure, demeure dans ma présence. Jesus Christ. Oh Père. Ça va, jeune fille? Oh Seigneur, merci. La puissance de Dieu. Tu ne vas plus rester là, seul. Jésus. Jésus allait de lieu en lieu pour libérer les gens qui étaient sous l'empire. Satan est comme un empereur avec son empire, son royaume, et avec des gens qu'il manipule, qu'il contrôle. Mais je veux vous dire, mes amis, depuis 2000 ans, son royaume est secoué. Je vous dis, à chaque fois qu'il a essayé de falsifier la parole de Dieu, de susciter des faux ouvriers, Dieu a toujours mis de côté un peuple avec l'évangile pur. L'évangile, c'est la lumière qui y arrive. L'évangile, c'est ce feu qui arrive et qui consume les liens de la mort, les liens de la sorcellerie. L'évangile, c'est la restauration des cœurs brisés. Femme, tu as été violée. Et ce matin, Dieu est en train de restaurer ton cœur. Femme, cet homme t'a déçu. Mon frère, cette femme t'a déçu. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de restaurer aujourd'hui. Des familles, des couples, des parents. Le Seigneur est en train de restaurer. Il va rendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Je parle à quelqu'un ici. Au nom de Yeshua. Ah oui.
Il est mort à la croix, crucifié sur un poteau avec tes péchés. Il n'y a pas un seul péché qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pardonner. Je veux dire à quelqu'un que l'ennemi a condamné toute sa vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut te racheter. Dieu veut que tu... Oh, alléluia. Je veux dire à cette femme, maintenant, ce démon s'en va de ta vie, de la condamnation est en train de sortir maintenant. Je veux dire à cette femme, maintenant, ce lien de condamnation est brisé. Je veux dire à cette femme, maintenant, là où je parle, là, l'onction vient sur toi. Amenez-la à moi. Je veux dire à cet homme, condamné par Satan par rapport à son passé, je veux dire à cet homme, là, la condamnation, là, les pensées impures que Satan t'envoie, là, je veux dire ces pensées-là, ce casque de malédiction, de condamnation, le Seigneur est en train de le briser par la parole qui sort, là. Je veux dire à une famille ici, condamné par la sorcellerie, à partir de maintenant, je dis maintenant, aujourd'hui, à cette date même, la lumière de l'évangile vient dans ta famille. Je veux dire là, la résurrection est entrée dans ta famille. Je veux dire là, amenez-la moi. Acclame Dieu pour sa puissance. Amenez-la moi. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Si on vous prêche autre chose, ne croyez pas. On prêche, il faut qu'il y ait le feu. Il faut qu'il y ait la gloire qui accompagne. C'est ça l'évangile. Jésus, c'est ça. Voyez? Quelqu'un ici. Il y a eu une sataniste de sa famille qui a pris ton image. Il est allé la donner à Satan en personne. Et depuis, tu as des cauchemars. Tu as des menaces la nuit quand tu dors. Des songes où tu vois des morts en permanence. Il y a un esprit de mort qui est là, affecté, qui te poursuit partout pour te prendre. Je dis là, cet esprit est venu ici avec un corbillard. Je veux dire là, cette personne-là, la puissance de Dieu qui émane de la parole véritable vient briser cette sorcellerie, briser cette alliance. Et là, le Seigneur te ressuscite, là, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, là, maintenant, acclame Dieu pour elle. Amène la moi, acclame le Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. C'est réglé. Jesus. Oh, God. Attends. Dieu me dit, je veux dire à quelqu'un ici, quelqu'un de ta famille qui pratique la sorcellerie, tout le monde sait que cette personne-là pratique la sorcellerie. Beaucoup ont peur de cette personne. Cette personne a libéré des paroles sur toute la famille. Et toi, tu dis au Seigneur, Seigneur, je te prie depuis des années. Je veux que cette personne soit confondue, Seigneur. Je veux que mon témoignage soit restauré. Je veux, Seigneur, mon Dieu, Père des Amis, que ma famille soit libérée. Je veux dire à cette personne-là, je veux dire, Dieu a entendu ta prière. Tu vois, non? Là où tu es là, le Seigneur vient mettre sa main sur toi. Et le Seigneur dit qu'il a entendu ta prière. Le Seigneur dit, oh, alléluia. La puissance de Dieu vient sur toi, là. Tu vois, la gloire de Dieu vient sur toi. Dieu confond la sorcellerie dans ta famille. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, amenez-moi ces personnes-là. Voilà la puissance de Dieu. Regardez-moi la puissance de Dieu. Jesus. Jesus. Dieu est bon. Amen. Écoutez, quelqu'un ici est possédé par son oncle. L'esprit de ton oncle te poursuit, t'attaque en permanence. Cet homme pratique la haute sorcellerie. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime, qu'à partir de maintenant même, à l'heure même où je te parle,
La puissance de ce monsieur est complètement paralysée là-bas, au fond, là-bas de la salle, là-bas. Là. Amenez-moi cette personne. La puissance de ce monsieur est brisée dans ta famille. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Son contrôle est brisé, complètement brisé, détruit. Jesus. Un homme vient d'être guéri par le Seigneur de l'impuissance sexuelle. C'est fini ce problème-là, c'est réglé. Voyez? Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des histoires. Dieu parle et il accomplit. Dieu promet et il réalise ses promesses. Dieu parle et son onction accompagne sa parole. Dieu promet et il accompagne ses promesses. Au nom de Yeshua. Oh, oh, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur elle. Le Seigneur te dit, tu vas prophétiser, ma fille. Prophétiser. Oh, aidez-la, la gloire de Dieu. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'onction du Esprit. Oh, amenez-moi les deux là. Amenez-moi les deux là. Oh, la puissance de Dieu là. Jesus Christ, alléluia, gloire à Dieu. Tu vas prêcher l'évangile, mon frère. Tu vas annoncer l'évangile. Prépare-toi au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Waouh. Touche là où tu as mal, touche là où tu as mal. Touchez là où vous avez mal, touchez. Regardez vous-même comment la guérison va être palpable. Voilà. Vous-même regardez. Pendant que vous touchez là où vous avez mal, à l'épaule, au dos, je ne sais pas où, la maladie s'en va là. La maladie disparaît là. Il y a deux femmes que Dieu veut de guérir ici de diabète. Diabète. Fini. C'est toi? Fini. C'est fini. Au nom de Yeshua. Ça va? Oh, alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous accompagne. Son onction, aidez-la. Une onction sur elle. Oh, alléluia. Aidez-la. Acclame le Seigneur pour elle. La puissance de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est en ce lieu. La puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Vous savez? On pouvait entendre les cris des démons quand la lumière arrivait dans les ténèbres. Hein? Oh mon Dieu. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ allait dans les synagogues, là où il y avait des possédés, il prêchait, les démons disaient, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Waouh! Et ce Jésus-là, je vous assure frère, il me parle, il parle à ses enfants. Il est vivant. Quand je suis abattu, il vient me voir. Je vous dis, hein, il vient et il me parle. Ce matin, hier matin, quand je dormais, il m'a réveillé à 4 heures pour la prière. Jésus, il est trop fort. Je me suis réveillé, j'étais fatigué. Je me suis recouché tout de suite. Il vient me voir, il me dit, il faut prier. Je me suis réveillé, il était 5 heures. Il m'a laissé me reposer juste une heure là, parce que j'étais fatigué là. Et il fallait prier. Frère, j'étais là. Jésus, viens. Jésus? Non. Il faut laisser. Il est beau. Seigneur, je ne sais pas. Je veux dire aux femmes qui pensent qu'il y a encore moyen. Il n'y a plus moyen. Ce n'est pas parce qu'on est marié. C'est parce qu'on est, on est en Christ. Comment voulez-vous passer à côté de cette présence du Seigneur? On ne peut plus. Je veux dire aux milliardaires, là, vous ne pouvez plus nous acheter avec l'argent. C'est fini, ça, c'est trop tard. Je veux dire aux gens qui nous font de menaces. Donc, si tu continues, on va balancer tout, balancer tout. Il y a quoi à balancer? Rien. Rien. Jamais, je dis bien jamais, je ne décevrai mon Dieu. Ne déçois pas. Tu peux décevoir les hommes, mais pas Jésus. Jamais. Jésus. Satan est venu m'attaquer la semaine dernière. Là. Je vous dis, hein, la tête de bouc chez moi.
comme ça. Frère, je me suis levé en Christ. J'ai pris autorité. J'ai vu Satan prendre un courir. Frère, non, Jésus, il a envoyé des petites bêtes comme ça, là, tout ça, là, j'avais un instrument avec ma main, je les ai tous écrabouillés, tout ça, là, frère. Jésus! Jésus! Je veux dire aux jeunes, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Hervé, allez dans la rue, là, comme vous continuez. Faites, mettez le feu. Faites le feu. Vous qui chantez là, sanctification plus plus. Ne chantez pas pour faire plaisir. Parfois, vous pouvez, même si vous avez une belle voix, si vous sentez que vous n'avez pas à chanter, ne chantez pas. Laissez aussi ceux qui ne chantent pas chanter. Ne chantez pas parce que vous êtes proche de Chora. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que moi, quand je vois ça, là, séparation. Tombe amoureux de Jésus-Christ. Je vous assure, vous savez, les amoureux du Seigneur, personne ne peut les toucher. Vous avez vu tous les complots qu'ils font contre moi, non? Vous avez vu, non? Association sur association. Vous avez vu toutes ces vidéos sur Internet. Mais pourquoi vous êtes aussi nombreux? Parce que Jésus est avec moi. Je vous assure. C'est pour cela que je peux parler comme ça. S'il n'était plus là, je dis au Seigneur, Seigneur, je dis, si tu me quittes là, c'est fini. Si tu me quittes, tu m'enlèves. Parce que eux tous, ils vont m'achever. Il y en a qui disent, il a une grande bouche, ce monsieur. Mais c'est parce que Jésus est là. Je sais que mon grand frère est là. Vous savez, un caniche, là, quand il va boire, vous savez, parce que le maître est là. Il aboie, il revient. C'est ce que nous faisons. On crie comme ça, les sorciers vont faire des réunions. Frère, on repart à la maison, là. On est à genoux du Seigneur, c'est toi le maître. Oh, frère, quand on touche à ces enfants, là, Yamoukolo, notre grand frère. Hey! Alléluia! Ah! Oh, maman, Jesus Christ, alléluia, Jesus. Frère, ça fait plus de 18 ans, 19 ans que ça dure, je crie comme ça, là. Ils font des réunions, ils disent, on m'a empoisonné, frère, on est toujours debout. Jésus a dit, la mission n'est pas finie. Toi, là, je veux dire à quelqu'un ici, Jésus t'a libéré de l'emprise de Satan. Là. Si Satan aurait pu te tuer, c'était hier. Maintenant que tu es en Christ, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, qu'ils proclament des paroles, qu'ils te maudissent ou pas, frère. On ne peut pas maudire celui qui est béni. Alléluia! Ma Bible me dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Où? Où? Dans les lieux? Et toi, tu te trouves où? Qui peut te toucher là-haut, là? Tiens, ton voisin, il faut le laisser tomber. Voilà. Tu es libéré. Tu es délivré. Hier, c'était les boîtes de nuit. Aujourd'hui, c'est l'adoration. Toute la nuit, l'adoration. Oh. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Hein? Oh, alléluia. Satan, il t'envoie des ex qui viennent comme ça, là, qui t'appellent. Non, mon frère, ma soeur, c'est fini, c'est le passé. C'est le passé. Tu n'as rien raté. Tu ne rates rien. Eux là-bas, là, ils sont sous l'empire, sous l'emprise de Satan, sous l'empire. Mais toi, tu es dans le royaume de Dieu. Toi là, tu as reçu le mandat, le bâton de commandement pour aller libérer les captifs, pour aller libérer les âmes. Tu as le manteau d'Élie. Tu as le manteau du prophète Élie. Tu as le manteau du Saint-Esprit. Femme! Ah! Dieu veut encourager quelqu'un ici. Tu vas sortir de cette veillée là. Pas comme tu es venu. Tu vas repartir avec une nouvelle vision. Tu vas repartir avec l'appel qu'il y a sur ta vie. Tu vas réaliser qui es-tu. Tu vas réaliser que tu as reçu un appel pour aller libérer ta famille. Tu comprends? Tu sais pourquoi tu souffres comme ça? C'est parce que c'est par toi que la lumière arrive dans ta famille. C'est par toi que Satan, alléluia. Oh, c'est par toi que Satan souffre dans ta famille. C'est pour cela qu'ils font, ils se liguent contre toi. C'est pour cela que les gens se mettent ensemble contre toi. On te critique, on te combat. Oh secte, oh gourou, non, tu déranges. S'il n'y a pas la guerre, ça veut dire que tu n'as pas l'onction.
Parce qu'on te critique, l'onction se manifeste. L'onction, oh alléluia. Il y a des gens, quand une fois qu'ils sont oints, c'est alors que les combats commencent. Les combats commencent une fois que tu as reçu l'onction. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer dans la prière. Quels que soient les dires des hommes. Quels que soient les dires des... Oh, alléluia. Ils vont t'attaquer. Ils vont te rejeter. Ils vont te blesser. Mais Dieu a commencé une œuvre avec toi. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Je vois cette grande maison. Dieu va l'achever. Jesus. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Amène-la-moi. Amène-la-moi. Là, là. Voilà. Faut l'amener. Elle, faut l'amener. Vous avez vu? Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur te cache pour l'instant. Mais bientôt, tu vas aller de lieu en lieu. Je te dis. Tu sais pourquoi faire? Pour aller confronter. Là, Dieu t'a mis dans le secret. Il t'a mis dans un cocon. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné, femme. Il ne t'a pas oublié. Il te dit, ma fille, je te connais. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai sorti du péché. Je suis jaloux. J'ai mis des trésors en toi, mon enfant. J'ai mis des trésors en toi, mon fils. Jesus. Il t'a mis dans ce creuset. Il a mis le feu en dessous. Il t'a mis dans ce cocon. Il t'a caché, isolé, solitude, dans la solitude, solitaire. Mais Dieu dit, je façonne encore, je façonne encore. Tel un potier, je te donne la forme que je veux. Et ensuite tu sortiras. Et je vois des milliers de personnes qui commencent à proclamer l'évangile parce que tu as parlé avec ces personnes. Je te dis, je fais ce que je veux. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Tu es son vase, vase d'honneur qu'il prépare. Et ensuite, des missions dans les pays pauvres, Amérique latine, Afrique, l'Asie, prêchant la parole, priant pour les malades, prêchant la parole aux veuves, aux jeunes qui sont dans la rue, aux femmes violées. Et je vois des guérisons, des miracles. Le Seigneur dit, des autorités seront touchées. Terrible, ça va être terrible, 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 terrible. Terrible. Oh Jesus. Oh Jesus. Viens. Jesus. Viens. Il vous a mis dans les secrets. Il vous façonne. Il vous façonne. Et quand il va commencer à vous sortir, ça va être le feu. Ça va être des guérisons, des délivrances. Ça va être des délivrances, des conversions inimaginables. Préparez-vous, ça va être le feu. Ça va être des vagues d'onction, des vagues de guérison. Des vagues de délivrance, la puissance de Dieu, Jesus Christ. Des manteaux, Dieu leur donne des manteaux nouveaux là ce soir. Là. Jesus Christ. Alléluia. Une clé en or, une clé en or, une clé en or, une clé en or. Alléluia. Jesus Christ. Jesus. Et je vois vos familles que Dieu rapproche encore. Je vois des familles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Par ton obéissance, Dieu va te justifier dans toute ta famille. Au nom de Yeshua, il va te justifier. Il a vu tes larmes, il voit tes larmes. Il a vu la prière que tu as faite, que tu as tout abandonné, tout. Tu dis, Seigneur, je t'abandonne tout. Je ne veux plus rien garder pour moi. Je ne veux plus contrôler quoi que ce soit de ma vie. Je veux que tu contrôles à 100% tout, totalement ma vie. Mon esprit, mon âme et mon corps. Dieu dit, j'entends, je vois. J'entends, je vois. J'entends, je vois. Et j'acquiesce. Et j'accorde, je t'accorde ma faveur. Ma faveur. Jesus. 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 Un enfant est en route. Jesus Christ. Jesus Christ. Je vois des papiers, vous signez des papiers. Vous allez signer beaucoup de papiers. Des papiers, des papiers, des papiers, des contrats, des papiers, des maisons, des choses. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Il y a des gens ici qui étaient enterrés, Dieu les réveille. Il y a des gens qui étaient condamnés, Dieu brise la condamnation. Il a effacé l'acte qui était contraire à nous, qui était contre nous.
L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a effacé à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés. À la croix, il a triomphé de Satan. Oh, Jesus. Le réveil, je prophétise dans vos assemblées locales. Je prie que Dieu vous visite. Je prophétise la guérison dans vos assemblées locales. Je prie pour qu'il y ait la guérison, des guérisons, des délivrances dans vos assemblées. Maintenant, je prie pour son réveil dans vos églises. Au nom de Yeshua. La jeunesse, les jeunes femmes, voici le feu prophétique. Voici l'onction prophétique sur vous. Je déclare cela. Oh Jesus. Oh Jesus. Ta famille, aidez-la. 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 Le feu. Jesus. 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 Oh, Dieu t'aime, jeune fille. Dieu t'aime. Dieu voit. Dieu voit. Ton temps arrive. Le temps de ta famille arrive. Ton temps arrive. Là où tu avais mal, regarde, touche. La douleur est partie. Touche. La douleur est partie. Si c'est le cas, tu lèves ta main. Tu es guéri. Viens. Guéri. Viens. Ceux qui sont guéris, veulent me voir. On acclame le Seigneur pour leur vie. Le Seigneur t'a guéri de quoi? En fait, j'ai senti mon sang qui coulait normalement parce qu'en fait je devais me faire enlever une veine là dans un mois. Et j'ai senti comme si ça circulait en fait. Parce que là c'était gonflé en fait. Là c'est fini. C'est fini là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Guéri de quoi? De mon mal de dos. Un mal au dos en venant ici. Oui, je vois chez le kiné tout le temps parce que depuis décembre j'ai commencé le massage sur le kiné. Et quand je suis arrivée ici depuis ce matin, j'avais très mal au dos et mal au ventre. Et depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a délivré. T'as plus mal là? Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Tu avais mal au? J'avais mal au ventre là en étant assise depuis tout à l'heure et j'avais imposé les mains quand vous disiez et j'ai plus rien. Elle a plus rien, gloire à Dieu. Tu avais mal au? J'avais mal au dos aussi et j'ai imposé la main et c'est parti. C'est parti, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu avais mal au, ma soeur? Il y a quelque chose qui marchait dans mon ventre depuis la semaine passée et je ressentais ça montait. Je demande Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ce soir. C'est fini, c'est parti, gloire à Dieu. J'avais mal au dos et j'avais mal au sein. C'est passé. T'as plus mal. Oh Seigneur, magnifique Seigneur. Tu avais mal au? J'avais mal au cœur et quand vous avez demandé qu'on prie, qu'on pose les mains, et là du coup j'ai plus mal. Gloire à Dieu. Tu avais mal au? Oui, mal à l'estomac, une grosse douleur, vraiment insupportable et voilà. Fini. Gloire à Dieu. Oh, aide-la. Aide-la. Jesus. Oh, oui. Belle onction sur elle. Waouh. J'avais une douleur au cœur là. C'est parti. C'est parti. Oh Seigneur, merci. Aide-la. Oh, c'est beau. Ça fait 2 mois, j'avais mal là. Mal au dos. Quand je suis arrivé là, j'avais vraiment mal. Donc là, je n'ai plus mal. Là, t'as plus mal. Waouh, Seigneur, aide-la. Jesus, c'est beau. Oh, la présence du Seigneur là. Oh, oh, Seigneur. Sur le côté. T'avais mal sur le côté. Depuis combien de temps? Ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois. Et là, tu n'as plus mal? Non. Oh, Jesus. Aide-la. Une onction sur elle. Oula, la délivrance. Waouh. Waouh. Tu avais mal quelque part? Tout... Ce matin, je suis arrivée ici. Tout était devenu lourd. Et là, c'est fini. C'est fini. Ah ben, gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci pour ma soeur. Oh, merci. Waouh. Elle pleure, elle pleure. Prenez l'enfant. Oh, elle pleure. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens témoigner par la foi que Dieu a guéri mon fils de l'autisme parce que. Je vois des psychologues, ils ont diagnostiqué qu'il avait un retard et qu'il serait autiste. Et j'ai ma maman ici qui m'a invitée. Elle m'a dit viens voir le pasteur et je suis sûre qu'il va faire quelque chose, il va lui imposer les mains. Ah non, on peut rien faire. J'ai dit non, moi je viens juste pour rencontrer Dieu, parce que je connais déjà Dieu. Et il m'a dit non, mais tu sais que même si tu viens rencontrer Dieu, tu as quand même droit à la délivrance, à la guérison pour ton enfant. Et tout à l'heure, quand vous avez dit, quand les gens témoignaient, il y a quelque chose qui me disait que va témoigner quand même par la foi que Dieu a fait quelque chose. C'est pour ça que je suis venue.
C'est bon, Jésus l'a guéri. Qu'est-ce qu'elle a? Depuis l'âge de 2 ans, elle dort très mal. En fait, elle ronfle beaucoup. Ronfle beaucoup? Oui. Ça va? Comment tu t'appelles? Maëlle. Maëlle, tu ne veux plus ronfler? Non. Eh bien, c'est bon, Jésus t'a guéri. C'est bon. Oh Seigneur, merci. Qui sont ceux et celles qui veulent le baptême? Oui. Ceux qui veulent le baptême, levez le main. Levez-vous, vous qui voulez le baptême, venez me voir. On acclame le Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur. Ça va mon grand? Je ne peux plus plier ma jambe. Tu ne peux plus plier ta jambe? Depuis quand? Un an. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une infection. C'est arrivé comme ça? Non, je suis tombé, je me suis ouvert. Waouh. Tu es baptisé? Non. Waouh, c'est le baptême là. Ah, c'est magnifique. Le baptême, hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le baptême aussi là? Oh, magnifique. Oh, magnifique. 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 Venez pour le baptême. Courez, courez, courez. La porte du paradis est ouverte. Elle est grandement ouverte pour vous. C'est votre temps, c'est votre jour. C'est quoi là? C'est le genou qui me fait mal ainsi que j'ai la tension et le diabète. Le genou depuis quand tu as mal au genou? Ça fait au moins 3 mois. On va t'opérer. Ça. Attends. Regarde. Une belle démarche là. Une vraie soldate. Donne-moi sa béquille. Elle est où sa béquille?
Bah, tu prends ta béquille, tu rentres chez toi. Tu veux? Ouais, bah, tu vas rentrer à l'hôpital. Ah, c'est bon. Soulève là, tu rentres sans béquille. Là. Ah, bah, c'est bon. Ton genou, là, ça va. Là, le médecin va être étonné. Ça va aller. Le diabète doit se régler. D'accord? Tu es baptisé? Tu veux le baptême? Ah, bah, c'est parfait. Vous voulez tous le baptême là? Oh, c'est beau ça. Vous voulez le baptême aussi? Qu'est-ce qu'il a? Oh. Hervé, faites-lui une onction d'huile ici là et au niveau de son, de sa jambe là. Faites-lui une onction d'huile, ça va aller. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Ça va aller. Le Seigneur est bon. Voilà. Le diabète est bouché la terre. L'artère est bouchée là. Oui. Ah bon? Oui. Là vous avez mal? Oui. Là là? Oui. Vous pensez que l'artère là, peut être débouchée là? Jesus. Allô? Ça va bien. Ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Jesus. Le diabète s'est réglé. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui nous aide. C'est Jésus qui nous guérit. Amen. Oh. Il y a crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie. Il y a des sons de cerveau. Paralysé là. Oui. Ah bon? Oh, Jesus, Jesus. Jesus Christ. Fais ça. Le pied. Voilà. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Ah ben voilà, Jésus est Seigneur. Ah ben voilà, gloire à Dieu. Ah ben c'est parfait, voilà. Ah ben c'est magnifique, voyez. Lève encore le... Ah ben voilà, ah ben c'est parfait, on acclame le Seigneur pour cet enfant. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau, le baptême, tout ça là. Gloire à Dieu. Alors suivez, là-bas le frère pour le baptême là, suivez-le. Allez au baptême, allez prendre le baptême. Suivez la sœur qui est là, la nana. Allez au baptême. Gloire à Dieu. Allez au baptême. On acclame le Seigneur pour tous ces baptêmes-là. C'est beau. C'est beau. Alléluia. Alléluia. Jesus. 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 Jesus Christ. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Le Seigneur fait des choses, hein. Je vous dis, hein. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, la puissance de Dieu dans ce corps-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Waouh. Tous ceux qui sont condamnés par la médecine, levez les mains. Joël, tout ça, venez prier pour les malades. Mon frère Guilain, venez. Venez prier pour les malades. Tous ceux qui sont condamnés, venez. Diabète, cancer, venez. Sida, tout ça là, venez. Ah, votre maman. Il a un problème de veine, il a coupé son bras. Ouais. Et les veines s'enflamment et des fois il a coupé. Waouh. Vous pensez que le Seigneur peut guérir cette femme? Jesus Christ. L'oreille gauche, droite. Jésus
Elle est sourde. Oui. Sourde. Oui. Elle est sourde. Sourde, oui. Papa. Papa. Oh, yo, 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 yo. Sourde. Sourde. Écoutez, regardez ce que Jésus fait. Tiens-moi ça. Oh. Dis à ton nom de Jésus au Père. Débouche les oreilles. Les boiteux sont guéris, les possédés guérisés, délivrés, l'évangile est annoncé, les sourds entendent. Papa, maman, Yaya, Wanga. Wanga. Alléluia! 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 Oh, alléluia, 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 alléluia! Qui dit que Jésus n'a pas changé? Qui dit que Jésus a changé? Oh, yo, 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 yo! Elle ne parle pas le lingala. On va continuer encore. Noko. Noko. Yo, 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 yo. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est du tac au tac. Jésus n'a pas changé. Cette famille est bénie. Dieu vous bénit. Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Allez avec la bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu.